que gagner une grande enquête qui fait et nous demander ça oui dans plusieurs rapports que nous fait pour faire la traçabilité des armes pour retrouver qui côté armes yo sorti qui moun qui acheté qui moun qui véhiculé parce que qu'est-ce que tout ça ça moun yo pas comprendre des fois moun yo réagit sur ça qui sautait aux yeux yo pas chercher comprendre ça caché des bails comme un exemple bien simple nous avons des lester cap saute lester cap saute Miami la ville lester monsieur descend à l'aéroport il prend lester yo tuer le Port-au-Prince anglais de tuer c'est mourir assassiné dernier ça son bail environ 10 ans dernièrement mon petit frère qui pasteur aux États-Unis qui rencontrait on se nèg avait dit il salue frère il dit pasteur pas qu'on aime non mais moi même qu'on aime c'est frère ça me dit oh et tel qui est mort assassiné il dit oui c'est seul il dit nous t'ai tué mon tout oui ce frère m'a dit comment tuer mon tout quand nous venir mon mourir pour presse il dit non pasteur nèg qui tu fais tuer mon là t'es dans caille là avec nos amis. Je suis tout démarche que je fais, contre toute activité que j'ai fait pour la Haïti, pour la construire mon caille pour le presse. Et puis je vois tuer les gens. Donc là où même où est mon amour, première a priori, pour le presse, vous dites que vous êtes tué. Voilà ce qu'on est bien avec la vie de même caravel qui commandit des crimes en Haïti. Est-ce que vous comprenez? Donc, question mon armée, question crime, question ZAC, il y a des ramifications qui m'ont donné enquête policière. Particulière pour, par exemple, grand cocorate sans race. Il y a une activité, il y a une variété de gains. C'était des policiers qui étaient dans l'activité qui avaient, qui ont fonctionné avec l'information. C'est pour ça que j'ai éclairé qui font rapport sur ça. Et policiers qui tapent l'information, qui sont inspecteurs de police, la police a arrêté lui. Sous rapport, sous base rapport fondation, j'ai éclairé. Donc, que vous ne nous pas parler de faux de coco à ces gars, vous ne pas lire. Il va sous site nous pour lire pour nous. Pour nous, nous correspondance, inspection générale, la police écrit fondation pour dire nous merci pour l'information de Bayo sur coco à ces gars, c'est que vous arrivez à retracer qui est dans la police là, qui a fonctionné avec eux, arrêté lui. Vous êtes là, oui. Correspondance là, oui. Et puis, nous ne pouvons pas parler de coco à ces gars, mais qui parle plus parce que nous de coco à ces gars. Pakistan, non? C'est nos premiers parler de eux, oui. Maintenant, qui moun ka bay aux armes, qui moun ki armé, qui ramène des fers. Zames, ça, nous pas connaît. Nous pas gagné rapport, nous pas gagné capacité pour nous mener enquête ça. Vu son envergure, vu son ampleur. Et nous pas gagné pour aucun groupe armé à travers le pays. Qui moun ki estime que non, yon ka associé à Kokorat sans raslan, parce que gen des histoires, nous pas connaît si ou même ou au courant de ça, côté. Gen des nèg nan Kokorat sans raslan, particulier général Meyer qui était dans prison et gen des nèg qui était gen pouvoir qui était dans sénat qui était dans parlement qui t'a lagué yo bien entendu yo pas parler de ou mais yo bay l'autre nom moun qui était participé dans libération nèg sa yo yo croit que depuis yo arrêté yo yal dans prison a gen nèg qui pral lagué yo par relation yo tout estimé si nèg là dans prison gen moun ka lagué eh ben c'est moun sa yo qui chef yo. Moi, je ne vais pas répéter ça. Parce que moi, je dis pile bagaille en Haïti qui sans preuve, sans justification. Même tendez ça. Mais moi-même comme avocat, je ne vais pas plaider, je ne vais pas faire intervention pour aucun membre d'un cocorat sans race, quel que soit les arrêtés dans la prison. Jamais. Non. Comme avocat, jamais. Mais comment bon monde peut associer, de tenter d'associer ma mère? Comment ça? C'est race. Mais non race, monde. C'est pas qu'il y a même 50, même 60 embranchements. Moune ne va répondre de race, lui. Moune répondre de femmes, moi-même. Et même des femmes, même d'être obligé de répondre non, d'avoir répondu. Peut-être parce que la responsabilité pénale est personnelle. Mais la famille Madistin est tellement prestigieuse, je peux me permettre de répondre pour la famille Madistin. Mais d'où que la famille Madistin, c'est impossible, pas de difficile, non? Mais c'était possible qu'on mouille dans la famille Madistin, qu'on ait un gang. C'était possible. Parce que nous-mêmes,
nous réussissons tout côté de passer parce que c'est l'éducation nous fait, nous prions dans l'école, nous prions dans tout ça nous fait, et famille m'a dit, rive aux États-Unis, rive West Palm Beach aux États-Unis, et puis disait famille m'a dit, oui, disait famille mettre ma distance, oui, quoi, ouais, c'est comme si c'est dans la communauté là où t'es tombé. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous réussissons partout côté de passer. Pour nous et terminer, tu as entrevu ça, que nous avons fait là, M. Samuel Madistin, pendant deux occasions, la police a tenté de faire intervention dans Joannis, dans l'objectif pour déraciner les gangs, pour démanteler les gangs. Mais nous voyons que l'opération n'a pas réussi parce que la stratégie la police utilisée pour amener l'opération ça n'a pas bien planifié. Ou du moins, la police n'a pas fait ça le de fait pour ta permettre que yo encercle monsieur tout côté, les yo attaque yo par route principale Joannis là et que y a sauvé l'autre côté pour ta kembe yo, et en même temps information de la circuler avant même que la police ait fait intervention d'après où et puisque ou même ou c'est moun zone là ou compte configuration zone là qui ça la police est capable de faire si tout bon vrai yo voulait démanteler et fini avec gang Kokoat San Ras là. Oui, ben là, c'est que information que m'y a, hein, capacité d'intervention police la Tibonite là, récemment renforcée. Et renforcée par une brigade d'intervention qui déployée dans une ville là, un pays, brigade d'intervention, et qui gagne une capacité opérationnelle qui est supérieure à ça que tu gagnes avant, premièrement. Mais je crois que la police la Tibonite, manquer moyen pour agir véritablement. Où est-ce que tu es passé dans la zone Savien, hein? Le côté où tu es policier, même cadavre, on n'est pas capable à le prendre. Ce n'est pas volonté de manquer, c'est moyen. C'est un problème de moyens. C'est un très grave problème de moyens au sein de la police. Soudain, pour encercler une zone, il faut avoir moyen matériel, moyen policier, plusieurs véhicules blindés, plusieurs, pour faire ouais, des ressources humaines, quantité de policiers suffisantes. Regardez, par exemple, où est au Salvador, gang tué un policier dans la localité, et puis c'est près de milliers de policiers militaires oui, que le président a débloqué dans la zone de la République. Vous comprenez? Mais si vous voyez 15-20 personnes à l'attaque en gang, alors que vous avez besoin de 200, c'est normal qu'on soit inefficace. Il y a un problème ça d'abord dans la police là. On manque de ressources humaines, on manque de moyens humains, on manque de moyens matériels, on manque de moyens en armement. Donc il y a ça. Maintenant, deuxièmement, sur le plan stratégique, je ne suis pas un stratège militaire, ni policier. Avec les moyens qu'ils ont, comment pouvez-vous faire pour y arriver des modes légaux, moi je ne connais pas mon stratège. Et si je me connais, je vais vous dire la radio. Parce que depuis que je viens de dire là, eh bien, gang n'a pas tendu. Elle t'a préparé pour le contre-état. C'est aussi simple que ça. Et bon, on dit que quand il y a des interventions, la police a fait. Et puis, les gens qui t'ont connu, les gens qui t'ont empêché, au moins, à abouti. C'est parce que la stratégie a été filtrée. Donc, on peut faire une stratégie. Et puis, on t'a dit dans la radio. Et ni m'a pas fait au monde qui gagne une stratégie, qu'on j'en demande ça pour le dire tout. Ouais, donc, parce qu'on ne discute pas de stratégie en public. Ouais, c'est des bagailles qui, c'est dans les officines militaires, ou bien policiers, ou bien les institutions régaliennes de l'État, que cette discussion se réalise pour l'implémentation, n'est-ce pas, des plans stratégiques qui sont établis. Donc, ça me souhaitait moi-même, et ça, c'est pas seulement pour gang Kokoat San Ras, c'est pas seulement pour ça vient, c'est pour tout pays a. Donc nous pas capable de quitter pays a gangsterisé comme ça, que moun pas ka circuler, et ça répond à un besoin, à un problème que m'identifié depuis 2015. Lè m'pral nan élection, m'di mais pour qui ça m'vle président d'Haïti? Moi dit moun yo, Haïti a marché vers la
somalisation. Et que nous avons besoin comme réponse pour empêcher ça, un État fort. Et que Samuel Madistin symbolise l'État fort. Nous disons, mais pour que ça me le président. Ça va vivre là, on est dit, oui. C'est pour ça me candidat, oui. Pour me créer les conditions pour que l'haïtien est capable de retrouver sa fierté d'antan. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Regardez ça qui a passé. C'est mon exemple bien simple. Si je dis, ou font élection dans la base à Thibonite, ou mettez mépris candidat le passé. Vous comprenez ça? Mais c'est très grave ça. C'est vous comprenez ça? Hein? Je vous dis ça. Là, vous regardez, vous avez mépris, il n'y a pas de kidnapper. Territoire côté lié, vous ne pas venir cacher. Il n'y a pas de violer les femmes. Yo, wel gen zam, moun yo estime ki illégal. Mais moun yo estime que zam sa plus là pour protéger yo que pour détruire yo. Zam sa opposé à gang sa vient à cap chercher détruire yo. Donc li vinn paraître comme un protecteur pour yo, mais c'est très grave ça dit là. C'est l'absence de l'État. Vous comprenez? Qui fait en sorte que on est gang zam illégal là même et que ça n'a pas de presse. Sou rive yo di a nan plein du cul de ça, qu'on massacre qui fait. Nous voyons des représentants des enquêteurs. Fondation J'éclairé à l'enquête sur le massacre là. Mais nous jouons moun dans la population qui a supporté ces méchants et qui dit que tout territoire ces méchants pas de viol, pas de vol. Et les opposés à l'amour sans jour, monsieur demande moun yo faire recette dans mais yo faire payer, mais il pas violer yo, il pas kidnapper yo. Et yo estime ça c'est le moindre mal. Donc la police là faillit dans des zones, dans des régions. Et qu'on ait des groupes armés, d'autres groupes armés, qui opposés à des gangs, mais qui ont même une philosophie, qui m'a dit gagner, une idéologie. Les populations ont préféré accepter le moindre mal, ils se identifient avec. Mais il faudra un jour, que l'État désarme tout groupe, ni gang, ni groupe armé qui fait kidnapping, pour que c'est l'État, pour que le monopole de la violence légitime revienne à l'État. C'est l'État qui a monopole violence là. C'est pour un groupe de monde. C'est pas pour bienveillance du monde. Mais je dis à nous pas dans ça. Et nous besoin, pays a besoin réorganiser. Et je dis la solution à ça, c'est l'émergence en Haïti d'un État fort. Malheureusement, c'est dans cette situation ça nous est. Tu mépris qui a des armes illégales dans nous. Par contre, ça est capable de faire avec. Mais la population, c'est lié comme sauveur. Dans la zone de la caillou. Pas de kidnapping, l'école fonctionnait, on monde qui a des problèmes de arriver la caillou, senti que pour en sécurité. Heureusement, tout yon même, yon dit, une fois que la paix est établie, yon disposé pour yon remettre la police, les âmes qui n'ont pas, nous espérons yon faire ça, parce que si yon pas fait, yon même tout, yon vient dans la même situation avec monde qui yon tape défendre. J'éclairé, qui c'est une organisation qui a défendre droit monde, qui j'en oué, j'en dis, presque 4 mois après l'assassinat policier dans Moroudoué, commissariat Tirivière, commune Tirivière, qui gagnait 6 sections communales, 52 habitations, ce n'est pas 2 personnes qui vivent dans la commune. L'autre commune, il y a un coup, il n'y a pas une grosse commune, c'est vrai, mais il génère économiquement un pile moyen parce que il y a un pile diaspora qui vivent à l'étranger, qui investit dans le coup. 2 communes, ça y est, depuis l'air, pas jamais que la police nous remarque malgré population yo même yo voulait organiser yo pour supporter la police pour bailler la police moyen pour fonctionner et autorité yo pas jamais voulait pour policier yo pas faire un effort pour policier retourner dans communauté ça mais ça même a dit jodi a dans communauté rivière commune lien que si deux monde gain problème c'est yo même qui capable peut-être mettre fin là-dedans pour compte ou bien l'autre citoyen bonne volonté qui ca aider yo pas gagner ni la justice ni la police pas gagner qu'une entité étatique et même privée qui capable fonctionner dans zone tout bagaille net fermé tout bagaille disparaître et malgré population a fait des marches offrir service li pour accompagner la police pour supporter policiers dans le cas où ils veulent venir, ils ne sont pas jamais venus. En tant qu'organisation qui défend le monde, comment nous avons une situation comme ça, côté une communauté lagée. Pour qu'on parle, la police courit pour bandit et ils ne sont pas jamais retourner la communauté à vivre pour qu'on sans policiers. Eh bien, le premier là, c'est que
nous avons absence de volonté politique. Première responsabilité de l'État, c'est garantir plus que la sécurité, mais la sûreté publique. C'est première responsabilité de l'État. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que non seulement on rétablit sécurité, mais on établit un climat de confiance dans les institutions de l'État, de telle sorte que un citoyen qui est en difficulté, lui connaît qui porte qu'il a frappé, qui moun li ka rele, côté le ka aller. Jodi a, nous pas gen ni sûreté ni sécurité publique, ou gon l'État qui à la dérive, ou bon pouvoir qui croise bras li, qui te mêle li, pas gade en yen ka passe, et vous avez des zones, des communes entières